qu'une bonne santé? Comment pouvons-nous préparer un avenir plus sain? Nous sommes nombreux au Canada à croire qu'un bon système de santé est un passeport pour la santé. Mais une bonne santé, c'est bien plus qu'une simple question de médecins, de médicaments et d'hôpitaux. Les soins de santé, c'est ce que nous cherchons quand nous sommes déjà malades. Certains des problèmes de santé les plus courants aujourd'hui sont les maladies du cœur, le diabète, l'obésité infantile et la dépression. Mais quelles en sont les causes? Combien de fois parlons-nous de ce que nous faisons avant de passer chez le médecin? Examinons les différences sous-jacentes entre les sociétés en santé et celles en moins bonne santé. Donnons d'abord certains faits. Bien qu'à leur arrivée, les immigrants jouissent d'une meilleure santé que les gens nés au Canada, en général, leur santé se détériore au fil du temps. Les personnes à faible revenu sont plus susceptibles de se déclarer en mauvaise santé. Le taux de diabète risque d'être plus élevé dans les quartiers où le transport en commun, les aliments sains et les services publics sont difficiles d'accès. Pourquoi? Comment pouvons-nous préparer un avenir plus sain? Pour trouver la réponse, nous devons sortir du cadre du système de santé et examiner le portrait global. Après tout, nous voulons avoir accès à des soins de santé quand nous sommes malades. Mais prenons d'abord le temps d'examiner les racines du problème, car tout changement apporté aux causes profondes profite à tout le monde, peu importe qui nous sommes. Nous faisons référence ici aux conditions dans lesquelles les personnes travaillent, jouent, mangent et vivent. Nous parlons des déterminants sociaux de la santé. Bien que l'accès aux soins de santé soit un important déterminant de la santé, il y en a plusieurs autres tout aussi importants et certains peuvent même vous étonner. Avoir un emploi sûr offrant des avantages sociaux. Avoir le sentiment de faire partie d'une collectivité forte et vibrante. Vivre dans un logement abordable et salubre. Habiter dans un quartier où il est facile de se déplacer et où il y a des parcs et des espaces communautaires. Avoir accès à des aliments sains et abordables. Et, enfin, avoir la chance de poursuivre des études. Notre vie quotidienne et nos conditions sociales et financières façonnent notre santé et notre bien-être. Ces conditions ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, mais sont en fait toutes interreliées et forment une grande toile complexe. Faisons les connexions. L'accès à l'éducation nous permet d'acquérir des compétences utiles pour trouver un emploi. Avoir un emploi bien rémunéré nous permet de payer le loyer et les factures. L'accès à un logement abordable nous permet d'avoir les moyens d'acheter des aliments sains. Vivre dans un quartier dont les rues sont sécuritaires et bien aménagées nous permet de nous déplacer facilement d'un endroit à un autre. Ces conditions, lorsqu'elles sont toutes réunies, nous permettent de tisser des liens avec nos voisins et nos collectivités. Cela permet aussi aux parents d'aider leurs enfants à mieux réussir à l'école. Et n'oublions pas que cela nous permet également d'avoir accès aux soins de santé. Nous n'avons mentionné que 7 déterminants jusqu'à maintenant. Il y en a plusieurs autres. Et qu'en est-il du racisme, du sexisme et de la culture? Quels déterminants influencent votre santé? Compte tenu du lien étroit qui existe entre les déterminants sociaux de la santé, tout changement peut avoir un effet d'entraînement qui aura une incidence sur votre santé. Si chaque enfant avait accès à des aliments sains et à un logement salubre, imaginez l'effet que cela pourrait avoir sur son éducation et sa santé au fil du temps. Les interrelations et les possibilités pour une bonne santé sont illimitées. Donc, à partir de petits changements apportés dans un quartier, comme l'aménagement de parcs propres bien illuminés, jusqu'à de grandes initiatives gouvernementales sur les politiques sociales, comme le Plan national de logement, nous pouvons commencer à faire la connexion entre une collectivité en meilleure santé, une ville en meilleure santé, une société en meilleure santé et vous en meilleure santé. Faire la connexion, notre ville, notre société, notre santé.